monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite Reaction Life, enfin j'ai envie de dire. Enfin, nous allons avoir le nouveau manga de Mashima, donc c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je l'attends. Alors pour l'instant, il n'est pas gratuit pour l'instant, donc j'espère que ce ne sera pas comme ça chaque semaine. Bon, en attendant, c'est pas grave, mais le chapitre est assez ardu, j'ai cru comprendre qu'il y avait à peu près 80 pages, quelque chose comme ça. Donc on va pas trop perdre de temps et on va se lancer ça tout de suite. Donc déjà avec la toute première page qui est plutôt sympa mine de rien. Bon alors c'est vrai que comme vous le voyez il y a le Happy. Alors c'est vrai que c'est ça que ça me fait peur. Normalement ce n'est pas une suite à Fairy Tail. Donc on va le savoir hein, de toute façon. Hein. Alors du coup avec la toute première page donc on a une petite météorite. Alors, une étoile filante, ça c'est un dragon. Ah ouais, ça commence direct avec les dragons, quoi, normal. Personnellement, j'opterais plutôt pour une comète. Tu m'as cru, Shiki? D'accord, ok. Ça commence déjà, le petit troll Mashima, ça y est. Je t'ai bien eu, hein. C'est marrant, ce design de personnage me fait penser à un autre manga en fait où le mec c'était un boss de jeu vidéo, je sais plus trop quoi. Bon là il est un petit peu dégoûté en même temps, bon ça c'est normal. Donc ça c'est quand il est jeune en fait, ça c'est le héros principal j'ai l'impression. Vu d'ici, on ne fait pas la différence. Si tu restes dans ce pays, tes connaissances seront limitées. Bah, en même temps, oui, il faut voyager un petit peu. Va voir ailleurs, rencontre des gens, fais-toi plein d'amis, des amis. D'accord, donc là, le truc de faire des amis, bon, c'est un petit peu du Mashima-esque, hein, on va dire, hein, c'est normal. Il n'y a rien de plus important au monde. Les vrais amis, on peut toujours compter sur eux. Ça, c'est vrai. Ça, je sais pas ce que c'est que ces trucs-là dans les... Bizarre ça, dans les arbres. Si certains sont prêts à pleurer pour tous, pour toi, pardon, alors prends soin à jamais. Ouais, ça c'est vraiment le pouvoir de l'amitié, mais bon, ça, moi je m'en fous, j'y suis habitué. Personnellement, c'est ce que j'aime bien. Comme Michael. C'est marrant, il fait vraiment penser au roi. C'est vrai que, mine de rien, quand on voit la fiche principale, il y a quand même. J'ai quand même peur parfois que les personnes ressemblent trop. Alors, même si le design ressemble un petit peu, si le si l'atmosphère change un peu, même s'il dit le background, surtout, c'est ça qui me fait pas peur. Alors, moi, je ne pleure jamais. Oh, le bâtard. Normal, les machines n'ont pas de... Ah, d'accord. Ah, c'est une machine, ok. Ouais, c'est vrai qu'il me fait penser au Rotrocus avec sa tête de citrouille, mais là, c'est un robot, carrément. Ouais, non, vraiment, lui, là, il me fait vraiment... Je sais plus ce que c'est comme manga où les mecs ils sont enfermés dans un jeu. Je me rappelle plus, il ressemble un petit peu. Alors, détrompe-toi, un cœur, tout le monde en a un. Ah, ok, donc tout le monde y dit qu'il en a un. D'accord, donc ça, c'est la double page stylée. Donc, ouais, c'est vrai que là, quand on regarde là, la petite Wendy... C'est surtout ces deux personnages-là, moi, que j'ai peur, en fait, quand on voit... Là... Après, lui, il est plutôt stylé, mine de rien. Plutôt stylé. Alors, franchement, l'affiche est belle. Hein. Alors, première page. Ah, voilà, première page. Donc là, ils sont sur une sorte de sous-marin ou de vaisseau qui atterrit dans l'eau. Rebecca, d'accord. Donc elle s'appelle Rebecca, j'étais pas sûr. Ou alors, bon, c'est quoi le nom français, je sais pas. Rebecca, ça y est, je le vois. Putain, on a direct à pic, quoi. Oh, merde. Oh, le royaume de Gulanbell. Il est encore plus impressionnant que je le pensais. On m'avait pourtant parlé d'un parc d'attractions. Ça, c'est un parc d'attractions, ça. On dirait le... Ouais, c'est marrant ça. Dès que des pays. Alors, c'est une. Voilà, c'est un véritable univers féerique. Attends, mais. Mais c'est marrant, mais comme ça, on a l'impression que c'est limite la première page. Enfin, dans le deuxième chapitre de Fairy Tail, quand elle rentre dans justement la guilde. Là, normalement, c'était le truc Fairy Tail ici, et avec la guilde qui était juste derrière. Je sais pas si c'est. Un gros truc par rapport à un gros clin d'œil par rapport à ça, mais c'est marrant quoi. Regarde, il y a des chevaliers, d'accord, des chevaliers. Je sens que je vais engranger un max de vues. Un max de vues? Ouais, d'accord. Objectif du... Attends, quoi? L'objectif du million d'abonnés sur ma chaîne à Echo? Faudrait que je regarde voir si elle existe pour de vrai. Je suis sûr qu'il y a un mec qui l'a crafté, qui l'a créé, c'est sûr. L'objectif, un million d'abonnés. Donc là, en fait...
Ça pourrait se passer dans notre époque, genre le mec il a carrément une chaîne YouTube, c'est marrant ça. Est atteignable. Oui, sûr que tu as raccourci ta jupe. Ouais. D'accord. Oh. Pardon, mais vous êtes des visiteurs, oui. Ah, il est stylé celui-là par contre. C'est les autres gardes, mais en robotique maintenant. Ok. Clac, 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 clac. What the fuck, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Eh ben quoi? Ok, lui il est tombé sur son gendarme. Wouah, notre premier visiteur depuis 100 ans! Ah ouais, c'est pas mal ça. Des visiteurs au travail, ouvrez la boutique, c'est 50 glés la nuit. Ah, une nuit, préparez-vous. En fait, il n'y a que des robots, en fait, c'est un parc d'attractions avec que des robots, quoi, si je comprends bien. Bienvenue à... Oh, c'est vraiment stylé ça. C'est lui, on dirait le truc dans One Piece, là, le petit robot, là. J'ai oublié son nom, là, d'ailleurs. J'ai oublié, mais bon. Le royaume des rêves. Waouh, il y a plein de bots. C'est marrant ce truc, franchement. Non mais là, Happy, là, moi, il me fait peur quand même. Hein. Alors, quel rêve souhaitez-vous réaliser? Devenir un héros d'aventurier? Vivre comme une princesse de château? S'il un royaume où le rêve seront exaucés. C'est franchement stylé. Bon là, c'est normal, c'est parce que je zoome, mais quand on regarde comme ça, les dessins, ils sont vraiment très propres. Hein. En même temps, Mashima, mine de rien, autant son manga est presque critiqué par tout le monde, autant ses dessins sont magnifiques, quoi. C'est Golden Bell. C'est vraiment stylé, hein. Franchement, c'est super joli. Alors, allez-y, je vous écoute. Je voudrais 1 million d'abonnés. Ah, vous promettez que je vous permettez que je vous filme des abonnés? Ah, c'est marrant, ça. Faut vraiment que je regarde s'il y avait vraiment une chaîne YouTube. Ce serait excellent, quoi. Est-ce qu'on peut la refaire? Oui, juste avant, c'est Golden Bell. J'ai oublié d'enregistrer. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu con ça. Rebecca, tes oreilles. Quoi? Tes oreilles de chat? Oups, oui. Ah non, d'accord, c'est genre. J'ai cru qu'elle pouvait se transformer en chat et tout. Voilà, encore des visiteurs très étranges. Oh, pas vraiment, c'est juste des abonnés YouTube. Alors, c'est trop bien, on se régale. Le parc n'a rien que pour nous. C'est vrai que s'ils sont que deux, c'est plutôt sympa quand même. Et la cuisine, t'imagines, tu vas à Disney et que toi et ton petit animal, c'est marrant ça. Et la cuisine est délicieuse. C'est quoi ça? C'est une sorte de quête, non? C'est pas ça? Et c'est pas tout, regarde là, on peut gagner un super cadeau si on terrasse un monstre. Oh! Le plan génial pour ma vidéo. Elle est vraiment mignonne comme ça, je trouve. Je la trouve vraiment stylée. Alors après, je sais pas si on remplace les cheveux par ceux de Lucie, si ça ressemblait vraiment, mais je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh! Il est méga grand, ouais, j'avoue. Il se chie dessus, quoi. À bien regarder, c'est juste un gros chat. Oui, c'est clair que c'est un gros chat. Bah voyons. Il est mignon tout plein. Là, là. Lui, il est l'amour des chats. Hein. Mashima, il adore ça, les chats. What? Ah d'accord, il l'a éclaté. Ah bah ça, c'est le nouveau... C'est le héros, quoi. C'est Shiki, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, le chat. Ah, il l'a éclaté, mon gars, le chat. N'importe quoi. Ah ouais... Mais what the fuck? Ah, il est stylé. Non, mais tes mains! Il a les cheveux longs, on dirait un peu à la Acnologia, c'est stylé. Franchement, je kiffe. D'accord, mais remets ta jupe, hein, fais gaffe. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de dire juste avant qu'elle la referme. D'où il sort, lui? Stylé, stylé, stylé. Si c'est Chiki, il a de la gueule. Ah, l'autre, elle se chie dessus, c'est génial. Pardon, 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 pardon. Un humain? Un vrai? L'autre, le sniffer. Oh, mais. Oh, arrête! C'est tout mou! Oh, carrément! Bon, bah, un petit peu de fan service, forcément, Massima, hein? Ça touche les boobs. Alors, ça va pas la tête, je croyais qu'on était les seuls ici. Il n'a pas l'air d'un visiteur. Non, pas vraiment, non. Eh, j'aime bien ses cheveux longs. Alors, je pense qu'il va se faire couper les cheveux après, parce que quand on voit dans l'affiche, ils sont beaucoup plus courts que ça, mine de rien, j'ai l'impression. J'adore cette tête-là, quoi. Alors, je suis le seul humain ici. Quoi?
D'accord, en gros, il vit sur cette île, c'est ça? Bon, ouais, j'avoue. Et t'en profites pour me mater ma culotte. T'es une fille? Bah oui, c'est une fille. Un humain fille et un chat. Un chat? Oh. Je peux le bosser. Non, je peux le bouffer quoi? Mais non, ça se mange pas, la chat, ce qu'il raconte, lui, il est fou, quoi. Quel drôle de type, il me fait peur. C'est vrai que là, quand tu le regardes comme ça, il est plutôt inquiétant, mine de rien. Ben quoi? Wow, la tête qui fait. Alors, du calme, pourquoi tu te fâches? Moi, je suis gentil, tu vois. C'est bon ou il va lui mettre une droite là? Ah non, d'accord, il lui serre la main. Soyons amis. Ah ouais, donc c'est vraiment lui, hein. C'est chaud, la différence qu'il a, quoi. Plus tard, quoi. Toi et moi. En même temps, tu t'es tout seul, mon gars. Ça, si t'as grandi tout seul, c'est chaud, quoi, t'imagines? Même pas en rêve. Ah oui, si, c'est ça, c'est bon. Alors, on retrouve les armes, donc c'est bien ici qu'il a grandi, il était tout seul, quoi. Il y a vraiment des robots. C'est-à-dire que l'autre mec qui dit que c'est un dragon, en fait, c'est un robot aussi, alors, si je comprends bien. Il est flippant, lui, sérieux. Ton coup de poing est pas mal non plus. J'avoue que la droite, mon gars, t'es moi, comment qui. C'est bien dessiné, hein, le mec. Attends, je vais juste regarder en dézoomant. Ouais, c'est franchement bien stylé. En fait, tu es la première humaine que je rencontre. Ah bon? Oh, c'est marrant comme ça, on aurait dit Juvia là. C'est excellent ça. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve ça drôle quand même. Alors, mon grand-père m'avait dit que de m'en faire plein d'amis. Ah ouais, carrément. Là, il la stalk et tout, c'est dégueulasse. On est déjà à quelle page, je sais même pas trop là. Donc là, elle va se cacher dans le truc. Bonjour voyageur, ainsi vous avez échoué au quest. Ah oui, c'était quoi? Il fallait vaincre le monstre, c'est ça, non? On a eu un problème, on est tombé sur un homme. Je croyais qu'il n'y avait que des machines ici. Bah oui, c'est vrai ça. Ah, vous parlez de Chiki, salut. Bah oui, forcément, s'il est tout seul ici, tout le monde le connaît, forcément. Le mec, s'il a grandi là tout seul, c'est un peu la merde, quoi. Non, j'aime bien, là. Franchement, j'aime bien son design entre. Je sais pas, là, c'est vraiment une coupe de Aknologia, là. C'est un truc de dingue, quoi. Et je me demande d'ailleurs pourquoi il a un petit paradis ici, c'est bizarre, ça. Ça, c'est pareil, c'est. J'avais vu d'ailleurs une image qui était circulée sur Internet. Où on voyait à un moment Natsu en étant plus vieux avec ses cheveux longs, et la différence avec celui-là de ce scan, où on voyait justement les deux, ils avaient un design quasiment ressemblant, mais avec justement le sparadrap sur la tête. Alors voici Mitora, le barman, John, le tailleur, Annie, la cuisinière, et lui, c'est mon pote Michael. Bonjour Rebecca, bonjour Happy. Oh, il l'a appelé Happy! Non, t'es pas sérieux! Bon, en même temps, ça veut dire quoi? En gros, s'imagine qu'ils fassent 10 mangas et qu'ils prennent à chaque fois une mascotte d'un manga. Donc, si on suit la logique, c'est qu'il y a que dans le dixième, il y aura les 9 autres trucs. Ce sera un truc de fou quand même, ça. Alors, vous connaissez? Ben oui, ce sont mes amis. Oh, la tête qu'il fait quand il dit ça, quoi, c'est immonde. Elle est contente. Allez, nos premiers visiteurs depuis 100 ans. Mais attends, mais il a quel âge, lui? Je comprends pas. Ça se fête. Oh, j'avoue, c'est quoi ce parc là? C'est quoi ce vieux parc d'attractions là, genre où t'as personne qui vienne depuis 100 ans là? C'est pas normal ça. Oh, vous offre nos meilleurs. Ah non, on vous offre de meilleurs plats, pardon. Rebecca, on vient à peine de manger. Oui, c'est vrai que c'est un ventre sur pattes, quoi. C'est marrant de voir une nana qui bouffe comme ça, je trouve. C'est vrai qu'on voit tout le temps, genre, Sangoku, même Natsu qui bouffe comme un truc de ouf. Mais de voir une nana qui mange comme ça, c'est pas commun, quoi. Alors, quand c'est bon, il y a toujours de la place. Ouais. Stop, je ne suis pas un plat, moi. Que le spectacle commence. Ah, un petit spectacle. Oh! Bon, là, je suis désolé, mais c'est. Merde, c'est la référence avec la mère de. Ah! La mère de Lucie, là, j'ai Layla, c'est exactement sa tenue, c'est. Même la coupe de cheveux, quoi, c'est un truc de fou. Tadam! Alors, oh, ça vous va ravir, très mignonne, c'est quand moi. C'est tout moi quand j'étais jeune. Ah non, c'est tellement ça.
C'est tellement ce design et tout, c'est n'importe quoi là. Alors, pourquoi je peux pas regarder. Pourquoi je peux pas la regarder se changer? Ah, mais d'accord. Parce que c'est une fille. Bah oui, espèce de pervers. Alors, trinquons au fameux jus de Grendel. Ah ouais, la meuf, elle boit bien comme il faut, ça va quoi. Mais du coup, alors, la héroïne, ce serait plutôt elle encore ou pas? Il est mignon ce petit chien. Avec Happy. C'est marrant, j'étais persuadé que Happy, là, quand on regarde dans les premières scans, il n'avait pas exactement la même tête dans Eden the Hollow. D'accord, donc là, ils se font observer par un robot à l'extérieur, encore une fois. Clac, clac. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, le roi des robots. Ah, il a l'air stylé, ce roi, je sais pas, mais. Ouais, je sais. Ah ouais, il pète la classe. On dirait tous les trucs qu'il y avait sur Madara quand il se faisait soigner. C'est le signe que l'heure est venue. Et là, il a la tête. Ouais, c'est dommage que ça ressemble un petit peu, mais bon, après, moi, ça me dérange pas, mais je sais que ça peut en rebuter pas mal d'autres, parce que là, on pourrait dire que qu'il a un peu la même tête qu'Hadès, quoi. Ah là là. Ça, c'est pareil, ça, c'est le truc pour la cuisine. Alors, au fait, que faisais-tu dans la forêt? Tu manges encore? J'avoue que c'est un putain de ventre sur pattes, quoi. Des réparations, ces temps-ci. Comment ça, tu répares en cassant tout, quoi, n'importe quoi. Ces temps-ci, à peine je les touche, ils font bang. Oui, tu m'étonnes, c'est pas très rassurant comme bruit. Le mec, il arrive, il explose le truc, et est normal, quoi. Ouais, d'accord. Alors, vous venez d'où, tous les deux? De Blue Garden, je suppose que je ne t'ai rien dit. C'est où ça, Blue Garden? Non. Et toi, Mika, Michael, non plus. J'aimerais bien aller dans un autre royaume, d'accord. Tu n'as jamais quitté cette île. Ok, donc c'est bien ça. Hein. Il a vécu tout le temps sur cette île et c'est pour ça qu'il n'a jamais été ailleurs. C'est plutôt classe. Je ne sais pas combien il reste de chapitres, mais il a l'air énormément grand, ce petit épisode. Alors, si je m'en vais, qui va s'occuper des machines? Ouais, c'est vrai ça. Il a une tête, mon gars. Il faut vraiment qu'on lui coupe les cheveux. Bon, quoi? Bon, je vais faire repartir un petit somme. Wouah, tu l'as tout explosé, mais c'est marrant, ça en dirait maintenant du. Non, je le dirais pas. Quoi? C'est le genre qui s'endort d'un coup, c'est ça? Il a explosé la table. Ce mec, il a mis un grand coup de tête dedans, quoi. C'est les petits yeux de chat. Alors, tu te demandes ce que fait un humain tout seul ici, n'est-ce pas? Il est équipé d'un lecteur de pensée? Un lecteur de pensée? Ah, non, le robot, excuse-moi, j'avais pas tout compris. Shiki est un être à part. Ok. C'est le grand démon qui l'a amené sur l'île il y a 10 ans. Hein? Le grand démon? C'est le rôle que joue une des machines. Attends, c'est le grand démon qui l'a amené ici. Donc, il a déjà un peu plus de 10 ans. Donc, s'il était déjà jeune, genre 7, 8, allez, 6, 7 ans, donc il doit avoir 16, 16, 17 ans à peu près. C'est donc le grand rôle machin des machines. On ignore où ils l'ont trouvé. Mais. Il veillait sur lui comme si c'était son propre fils. Il a toujours. Ah, d'accord, un petit peu de background, c'est cool, ça c'est cool. Il a toujours été proche de nous, en plus, il nous répare. Bon, déjà, au moins, c'est qu'il doit s'y connaître un peu en mécanique, hein, c'est cool. Le grand démon, c'est vrai que. Ce serait peut-être pas celui que. Donc, c'est pas un robot, alors le mec qu'on a vu au début, c'est un démon carrément. Ici, c'était la machine la plus impressionnante, maintenant il est cassé. Bon, il se fait tard, la chambre est à l'étage. Ah non, j'ai cru qu'elle s'était cassée la gueule, elle aussi. Elles ont été conçues pour des humains, il y a des douches. Ah, qu'y a-t-il avec un? Je peux couper ses cheveux. Quel sadique. Ça me dérange depuis un moment. Ouais, tu m'étonnes, même moi ça me dérange. Oui, pourquoi pas. Nous, on ne connaît rien au goût des hommes. C'est vrai que son look est naze. Ne me dis pas que tu dors à poil quand même. On s'est bien amusé, oui. J'ai plein de super vidéos, mon compteur de vues va exploser. Ah, c'est marrant ce système quand même avec le truc des vidéos pour sa chaîne YouTube. Hein. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'il incorpore ça dedans, quoi. Alors, je vais faire un premier montage avant de dormir. Pourquoi ils font cette tête-là là?
Ah, il a quand même un peu plus la classe, quand même, hein? Par contre, les yeux d'amour, là. Je sais pas pourquoi ils font cette tête-là exactement. Mes cheveux, où sont pas. Michel, c'est terrible. Bah, il n'y a plus personne. Oh, c'est bizarre, ça. Où sont-ils tous passés? Il y a bien de l'agitation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est marrant, quand elle se réveille comme ça, j'ai tellement l'impression de voir le Juvia, quoi. C'est-à-dire quoi? Tiens, qu'est-ce que je fais dehors, moi? Dehors? Oh, pourquoi elle est enfermée, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces robots? Ils vont la sacrifier, non? Quoi, c'est quoi, ça? What? Réveille-toi, Happy. Non, Happy, réveille-toi, pardon. On a un problème, ouvre les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont en train de faire un sacrifice. En plus, l'autre, il a une flamme dans les mains, qu'un. J'attends ce moment depuis si longtemps, humain. C'est qui, lui? Le roi. Bon sang, détachez-moi. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Chiki, Rebecca. Me dis pas qu'ils vont essayer de buter Chiki aussi. Ça fait mal. Seigneur, je suis en plein cauchemar ou quoi? Cette fille est mon amie. Elle vient d'un autre pays et elle n'est pas méchante. Oui, je le sais. Oh là. Voilà 100 ans que nous attendons cet instant la venue d'un navire pour nous conduire vers le monde extérieur, quoi? Ah d'accord. Oui, mais avant le coup, tu l'attaches, tu le demandes gentiment, je sais pas, moi. T'essaies pas de l'attacher, c'est un peu débile, ça. Du coup, comme si qu'elle allait vous donner son bateau, tu sais. Je comprends rien à votre histoire, il faut la détacher. Non. Nous allons la tuer, carrément, et... Attends, et pour ce... Attends, nous allons la tuer, et nous poursuivons... Nous pourrons quitter cette île. Et le respect des invités, alors, pourquoi ils veulent la tuer? C'est bizarre, ça, c'est toujours pareil avec les humains. Ouh. Ah, il est pas gentil, hein, ce petit mec, hein. Vous êtes persuadé qu'on vous appartient et qu'on vous est inférieur. N'importe quoi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ben alors, dites-lui, vous aussi. De quoi? Les humains sont nos ennemis. Ouh. Ah, ils sont pas... D'accord, alors pourquoi vous avez pas essayé de tuer Chiki? Je comprends pas, vous. Les humains sont nos ennemis, ils nous méprisent, ils nous prennent pour leurs outils, ils nous cassent. Oh, Mitora, John, Annie, je ne suis pas un outil, Michael. Oh, mais alors attends, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il va devoir se rebeller alors que ça fait quand même 10 ans qu'il est avec eux? C'est chaud, quoi. Ces temps-ci, à peine je les touche, ils font bang. Mais non, ils ont été contaminés par un virus. Un virus qui casse les... Ouais, qui casse les robots, ça peut le faire. Exactement, un virus qui réveille notre conscience. Et nous rappelle qu'on est au service des humains. Michael, ressaisis-toi, les humains ne sont pas nos ennemis. Non, on n'est pas vos ennemis. Oh, c'est surtout ça, parce que toi aussi, t'es un humain maintenant. Donc ça risque... Alors attendez un peu, je vais vous réparer vite mes outils. Ouais, bah, enfin, le temps que tu fasses ça, l'autre, elle va brûler vif. Hein. Encore un pas et je mets le feu au boucher. De toute façon, tu ne peux pas nous réparer. Tu ne disposes même pas des techniques suffisantes pour ça. J'en ai déjà. Attends quoi, j'en ai déjà fait plein des fois. Ok. Tu agis en conformité avec ton rôle. Ton rôle? Ici, on joue tous un rôle. Ah d'accord, c'est vraiment des salopes en fait, ils font exprès. Parce que genre, c'est peut-être un démon qui leur a demandé de faire ça, ou je sais pas. Serveur, tailleur, chevalier, danseur, seigneur, grand démon, c'est de la comédie. Oh les bâtards. Toi, tu étais là. Attends, toi, tu étais le mécanicien? Mais tu ne sais rien, tu ne faisais rien. En gros, il les réparait même pas, en fait, c'est ça, quoi. Les vraies réparations étaient effectuées par le système de réparation automatique du chevalier, du château de... Oh, d'accord. Non, je vais tous vous réparer et vous redeviendrez comme avant. Impossible. Vous êtes mes amis. Oh, attention, le roi, il enlève sa cape ou un truc comme ça. Ah, il est stylé, hein? Franchement, il est stylé comme humain, là. Tu es un humain, nous sommes des machines. Ça change rien. On ne pourra jamais être amis. Ah, il a son style, hein? Il a son style, je trouve, quand même. Avec la couronne comme ça, là. Un bot de combat. Un bot de combat. Oh, si elle pouvait filmer ça, elle mettrait ça sur sa chaîne YouTube et tout, tu sais. Regardez un combat! Autrefois, le parc accueillait des centaines d'hommes et des machines. Grande belle, le pays du rêve et des féeries. Et de la féerie. Franchement,
Je le trouve stylé, le petit roi, quand même. Mais les visiteurs. Mais les visiteurs se sont fait rares et les hommes nous ont abandonnés. Bah après, peut-être qu'ils sont tous morts à l'extérieur. Ils n'ont même pas pris la peine de nous détruire, on est resté coincés ici. Bah ça aurait été encore un peu plus cruel, je pense, hein. Mais ça y est, quelqu'un est venu avec un navire. L'heure de la revanche. Ah, depuis 100 ans, j'avais pas eu. Ouais, bah, en même temps, c'est normal. L'heure de la revanche a sonné. Moi aussi, je suis un homme et j'ai toujours été là avec vous. Oui, mais tu n'as pas de navire. Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est le grand démon qui t'a amené ici. Ta présence n'était que tolérée. Oh, le bâtard. Oh, c'est dégueulasse. On va se venger des humains. Les machines vont diriger le monde. C'est marrant, j'ai l'impression de voir, vous savez, Terminator avec les humains qui vont dominer les humains et tout. Enfin, non, les robots qui vont dominer les humains plutôt. Voilà, tous les hommes sont nos ennemis. Toi aussi. Oh. Ah ouais, mais en fait, ça va partir en couille cette histoire-là. Le mec, il se bastonne direct. Chiki. Oh, c'est pris un coup dans la tête, je crois, j'ai l'impression. Non, les bâtards. Ah lui, il est choqué, tu m'étonnes, il a grandi avec pendant 10 ans. Et là, t'as tous tes amis, enfin tes soi-disant amis, en même temps, t'as personne d'autre qui te défonce la gueule, quoi. Mais pourquoi? On est amis, non? L'amitié entre hommes et machines n'existe pas. Arrêtez! Yannelo! Yannelo Kodasai! Je ne peux pas croire ça. Allez, nos premiers invités depuis 100 ans, ça se fête. Ah ouais, j'avoue, hier encore, vous viviez heureux tous ensemble. D'accord, ouais, c'est truc de fou, quoi. Chez qui vous considérez comme des amis? Ce sont mes amis. Ah, du coup, elle... Ouais, encore un petit peu d'amitié, mais bon, moi je m'en fous, moi. C'est ce qu'il m'a dit. C''est trop triste. Oh, le pauvre, il s'est tellement défoncé, quoi. C'est un truc de ouf. Quand on est ami, homme ou machine ne compte plus. Et voilà. Oh. Attends, je vais juste voir comment ça fait en dézoomant. Ouais, c'est sympa, hein, franchement. C'est plutôt ça. Alors, si certains sont prêts à pleurer pour toi, alors prends-en soin de l'âme. Ah! Ça, c'est ce que le démon lui a dit, ça. Oh, du coup, il va se révéler sur. Oh, je sens que tout cela va exploser. Bah, tiens. Tais-toi, gamine. Sinon, on t'exécute sur le champ. Essaye un peu pour voir. Moi, j'ai. Oh! Le pouvoir de l'amitié. Wouhou! What the fuck? Le mec, il s'est fait défoncer. il est badass sur cette page. Ah non, c'est une double page. Pardon. Ouais, c'est un peu mieux comme ça, je préfère. Hein. Une double page plutôt stylée. Franchement, elle pète la classe. Elle pète vraiment la classe. Ah ouais, ça défonce. Ça défonce. Il les a défoncés, quoi. C'est n'importe quoi. Ok. Ah bah là, maintenant. Oh, c'est quoi ça? C'est son pouvoir, genre un bras stylé, c'est quoi ça exactement? Je crois bien qu'on est. Ah, je crois bien qu'on n'est plus amis. Ce terme ne fait pas partie de notre programme. Ok, ça, on voit qu'il n'est pas content. Je n'avais pas mal. Attends quoi? Je n'avais pas mal alors, je pensais qu'on jouait. Vas-tu me montrer la force héritée du grand démon? Ah d'accord! Mon grand-père me l'avait dit. Ok, ça voudrait dire que c'est une sorte de démon aussi? Donc, bon, après, c'est peut-être, il dit grand-père, mais c'est peut-être pas ça. Si certains sont prêts à pleurer pour toi, alors prends soin à jamais. Et ensuite, bats-toi pour les larmes, pour ces larmes. Ah, il est badass ici, là. Là, il impose un peu plus de style que les autres, quand même. J'aime bien, franchement, j'adore les dessins de Mashima quand même, mine de rien. Il a vraiment un très très bon crayonné. Disparaît, humain! Moi je suis. Non, vraiment, il dessine vraiment bien, hein, ce mec, c'est un truc de fou, quoi. Je suis Shiki Dutch. Ouch. Shiki Ouch. Je lui ai mis une golden, mon pote. Attends, je regarde si c'est pas une double page, non, c'est bon. Ok, happy!
Et j'en ai assez pour défaire une petite corde comme ça. D'accord, donc il l'a détaché. C'est cool. Ah, ça y est, un joli combat. Je croyais que c'était déjà fini. J'avais l'impression qu'il avait juste mis une droite. Ok. La force déployée par Shiki. Ah, peut-être qu'elle connaît cette force, c'est ça? Oh, il est collé au mur. Ah, d'accord, il est carrément collé en fait. Je pensais que c'était juste un rebond. Le mec, il est collé au mur. Ah, ouais. C'est l'Eltergear. L'Eltergear, ça veut dire quoi ça en français exactement? L'Eltergear. Ok, donc là, il esquive les attaques de l'autre. Le fameux éther, oui. S'il est capable de transformer le flux d'éther qui parcourt son corps, alors c'est le pouvoir du temps obscur. Des temps obscurs. Je sais pas ce que c'est comme pouvoir, mais ça a l'air sympa, mine de rien. Tu vas vite t'épuiser, mes tirs mécaniques sont bien trop précis. Aucun humain n'est capable de les éviter. Bah, pour l'instant, il y arrive très très facilement. Hein. Faux, moi si. Oh. Hey, il a l'air super rapide en plus, hein, c'est cool ça. Je ne m'attendais pas à trouver un utilisateur ici. Ah, ça veut dire qu'elle aussi prétend que ça voudrait dire qu'elle aussi elle utilise un peu ce pouvoir. Tu ne peux rien faire, toi qui n'as jamais eu assez de courage pour quitter cette île. Mécanique démoniaque. Mais en même temps, s'il n'a pas de bateau, c'est pas évident pour quitter une île. Hein. Oh, attends. Voilà. Attends, merde, j'ai loupé une image. Mécanique du démon des démoniaques. Ok, du mécanique du démoniaque. Point lourd, du point lourd. Oh, il lui a mis une sacrée golden là. Double page plutôt stylé. Franchement, magnifique. Ensuite. Oh, ouais, oui! Ah, ça. C'est une sacrée droite, en effet, ouais. What the fuck? Ce truc de fou, quoi, mon gars. Regarde, il a tout pété, même toute la ville et tout, quoi. Donc là, ils sont en train de se casser la gueule. Et le roi, il a pris tempête, le roi, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a explosé toute la ville. C'est un truc de malade. Le sol, il se dérobe, quelle force. Ah ouais, non, mais en fait, il doit avoir une force complètement abusée, hein. Le combat est beaucoup plus abusé entre celui-là et le roi. Il a l'air beaucoup plus impressionnant que celui avec, vous savez, avec Natsu qui casse un petit peu la ville. Là, ça a l'air plutôt vénère quand même. Il aime bien envoyer du lourd dès la première page. Hein, enfin, dès les premières pages Mashima quand même. Hein. Franchement stylé. Hein, franchement très très stylé. Il vole. L'Altergear de la pesanteur. D'accord, il peut même voler et tout, mais c'est classe. Donc Capi ne pourrait peut-être pas voler, on dirait. Hein. Donc déjà, il peut voler par lui-même, ça c'est cool. C'est plutôt cool ça. Oui, alors je l'ai hérité de mon grand-père, d'accord, à mort. Tuons les humains, le pouvoir aux machines. Après, il fait une sale tête, mon gars, il va tous les exploser. Où est ton navire là-bas? Alors, bon pesanteur directionnel nord-nord-est. Ok. Hein, mais c'est quoi ça? Il a l'air d'aller super rapidement, mon gars. Ok, je vais tomber. Ouh, il a l'air de tracer de ouf. Il a l'air de tracer de ouf. Et il est quand même super violent, le premier chapitre. Hein. C'est un truc de fou, le nombre de pages qu'il y a, quoi. C'est hallucinant. Hein. Quand tu regardes que c'est quasiment l'équivalent de 5 chapitres, ce qu'il a fait, 80 pages, c'est à peu près 5 chapitres, c'est fou, quoi. Bon, en même temps, il avait eu le temps, donc forcément, il a préparé son premier chapitre, c'est cool, quoi. C'est franchement stylé. Alors, il s'échappe, rattrapons-les, les humains sont nos ennemis, c'est ça, oui. Ok, ah, il est plutôt sympa, son petit bateau, je trouve. On dirait les poissons volants que Happy n'arrivait pas à manger, d'ailleurs. Allez, va-t'en. Et toi? Moi, je reste. Mais non, il faut qu'il vienne, tête de con. Pas question, tu viens aussi. On est amis, non? Magnifique double page pour dire ça. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est un bateau qui peut voler. Ok, c'est cool. D'accord. Donc, là, c'est vraiment des machines qui peuvent voler comparé à. Alors, Fairy Tail, où ils doivent carrément utiliser de la magie, là, carrément, il peut voler sans avoir besoin de ça. Ce truc n'est pas un bateau, non, c'est un navire spécial. Je sais pas pourquoi, je viens de voir sa tête, je me dis que c'était fait exprès. Je suis sûr
qu'ils ont fait exprès, et c'est pour ça qu'ils l'ont pas tapé fort. C'est calculé. Pour moi, je crois que c'est calculé. Tu as bien dit que le monde extérieur t'intriguait, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ce que je... c'est ce que j'ai dit, mais... Ben voilà, c'est le moment. Je vais voir d'autres pays, des pays petites... Hein? Des pays petites erreurs? Quoi? Jette un œil dehors. Attends, quoi? Je vais voir d'autres pays, des pays petites erreurs. Jette un œil dehors. Nous sommes dans le cosmos, Sakura, quoi? Mais c'est stylé! C'est stylé! Attends, je regarde si c'est pas une double page. Waouh! Et mon navire spatial parcourt l'univers! Waouh! C'est stylé! Ah, si je m'attendais à ça! Le mec, il se lâche, il y a de l'espace et tout! Waouh, d'accord, je comprends mieux pourquoi c'est pas un petit navire. Et votre pays, à tous les deux, c'est la planète Blue Garden, hein? C'est dingue, d'accord, ils sont sur une planète! Mais c'est... Ah non, là, je m'attendais pas à ce qu'il aille dans l'espace avec ça, avec son univers. Mais c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Donc ça voudrait dire que le mec... D'accord, donc en fait, c'est pas genre... Je me suis dit, c'est bizarre, tu sais, s'il avait vraiment voulu quitter son île, il aurait pu construire un bateau et tout simplement quitter la Terre. Mais non, carrément, c'est un vaisseau spatial. Ben, ils sont sur, comme le Petit Prince, vous savez, des petites planètes, toutes petites et tout. Tu sais ce que c'est pour ça qu'en fait, bah oui, c'est pour ça qu'en fait, les gens, ils sont pas venus depuis 100 ans. Ils peuvent pas voyager dans l'espace, putain. Ah! Massima, tu m'as surpris, hein, c'est génial ça. Alors le cosmos, tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr, c'est le machin avec plein de petites étoiles Tarsou. Oui, c'est là qu'on est. Putain. Ouh, c'est quoi ça? Cette lumière là-bas, on va s'en approcher, attends. Qu'est-ce que c'est? En fait, dans l'espace, il y a... Oh, je suis à la 73e page, sur 74 j'ai l'impression. Il y a des dragons! Oh! Des dragons mécaniques! Ce serait pas genre une sorte de vaisseau spatial pour voyager super rapidement, tu sais? Parce que là... Oh, c'est trop stylé! Oh là 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 là! Mais c'est trop stylé! Bon alors par contre, sur cette page, j'ai tellement l'impression de voir Natsu, quoi, c'est ouf. C'est vraiment trop ouf, quoi. Alors, c'est ça l'espace. Ouais, donc c'est bien ça. Il avait bien vu un dragon au début, c'était pas une erreur. C'est carrément stylé. D'accord. Seigneur, cette fille, je sais, elle vient d'une autre planète. Nous avons... Ah quoi? Nous avons fait notre temps? Il faut maintenant envoyer Shiki vers le ciel. J'en étais sûr que c'était fait exprès. Je le savais. Et le temps d'envoyer maintenant. Donc ouais, c'est bien ce que je m'en suis douté. Hein. Donc ouais, en gros, ils l'ont élevé pendant 10 ans et du coup, ils l'envoient vers le truc pour qu'il voyage. En même temps, ils vont pas l'envoyer. Pendant qu'il a 10 ans, tu sais, genre. Voilà, ça a marché, cette planète n'était pas faite pour lui, je me suis douté. Lorsqu'on aura... Ouais, parce qu'en fait, le truc, je pense que s'il avait pas fait ça, il serait pas parti, en fait, c'est sûr et certain. Lorsqu'on aurait tous été cassés, il serait retourné... Ouais, il se serait retrouvé tout seul, ok. C'était le seul moyen pour qu'il s'en aille, il serait resté pour nous réparer. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bravo tous, vous avez été très convaincants. Les machines... Attends, donc là on a un roi peut-être... Ah si, il est là. Les machines n'ont plus que... Attends quoi? N'ont plus que quelques années à vivre, c'est notre destin. Donc lui aussi c'est une machine, alors c'est bien ce que je pensais. Alors je compte sur vous. Avant que cela n'arrive, ce garçon va bouleverser l'univers. Grand démon, nous avons tenu notre promesse. Détrompe-toi un cœur, tout le monde en a un. Si c'était pour ressentir une telle tristesse et se sentir aussi seul, je me serais bien passé d'avoir un cœur. Là, on peut pas voir des larmes, mais je sens un peu de tristesse là. C'est horrible, ça prend au cœur. Là. Ah merde, lui, il est cassé. Lui. Bip bip bip. Oh merde, ils sont tous en train de se péter. Bah lui, il est totalement défoncé, quoi, du coup. Oh, ok.
Carrément, ils sont tous en train de se péter. Ah, ils avaient vraiment plus grand chose à vivre, hein, rien moi ça. Pouah, la violence. Ils sont tous en train de mourir. Toutes les fonctions vitales des bots de la planète Grand Belle se sont arrêtées. And, oh là là, en 0%. D'accord, ils sont tous morts, quoi. Ah bon, en même temps, c'est des machines, mais quand même, ils ont l'air d'avoir un cœur, ils sont tous dead, quoi. Waouh, mais ce chapitre est ultra intéressant, c'est hallucinant. 83 pages déjà. Alors, et l'univers est très vaste ici. Nous sommes à Cosmos Sakura, mais dis, c'est ma planète là-bas. Grand Bell, l'étoile parc d'attraction. Elle est sympa, hein? Bah, tu m'étonnes qu'il pleure. Tous mes amis. Putain, il me ferait pleurer ce con là. Ah, c'est horrible. J'aime pas ça. Ils se sont détraqués, mais c'était quand même mes amis. Merci. Grâce à vous, je suis. Oh là, ma voix est partie en couille là. J'ai failli lâcher une larme là. Oh là. Grâce à vous, je me suis jamais senti seul. T'as il est fort, Mashima, pour faire ressentir les émotions, c'est horrible. Ah, j'aime pas ça. Alors, ils m'entendent. Ils ne m'attendent pas. Je peux casser la vitre. Non, non, je crois que si tu fais ça, t'es dans la merde. Ah oui, car non, attends, d'accord. Il veut casser la vitre pour qu'il vente. Oui, d'accord. Non, ça va pas. C'est décidé. Ce jour marquera le premier pas. Merde, j'arrivais pas à défiler. De celui du nom. Alors, attendez, je regarde. Ouais, c'est bon. De celui dont le nom entre quoi? Entrerait? Ouais, d'accord. J'ai. Dont celui. dont celui. De celui dont le nom entrerait dans l'histoire de l'univers, je vais me faire des centaines d'amis, mais le cosmos, c'était. Attends, encore. C'était le grand départ de Shiki Glumbel. D'accord, donc c'est comme ça son officiel. À suivre dans le chapitre 2. Eh ben, bon courage. Ça, c'est classe, hein. Franchement, c'est super classe. Super chapitre. Alors, attendez, j'ai encore un truc en dessous, là. Ok, alors j'ai vu que non, le prochain ce serait le 4, juillet, je crois. En tout cas, super chapitre. J'aurais jamais cru qu'il fasse un truc dans l'espace. Je trouve ça stylé. Non, mais là, c'est bon, ok, on peut dire que c'est. Non, c'est trop classe. Franchement, là, c'est bon, je suis hypé. Je suis hypé. Rien que quand j'ai vu dans l'espace, je trouve ça stylé. Je trouve ça excellent. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez de ce premier chapitre, mais ça a l'air terrible. Je sens que je vais kiffer. En tout cas, voilà. Nous, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Eden Zero. Alors, je pense pas qu'il fera 80 pages. Hein, je pense pas. Normalement, il fera certainement une vingtaine de pages. En tout cas, voilà. Donc, moi, j'ai surkiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à plus tout le monde.